Je regarde haut vers le ciel. Soudain, je peux te voir. Tes doux yeux qui me sourient effacent mon désespoir. Nous étions une parfaite famille, papa, toi et moi. J'ignorais qu'il avait un autre amour et t'oublierais un jour. Des histoires que tu contais, Changa est celle que j'aime. Elle perdit son cher Ouli et flotta dans la peine. Elle l'a attendu sans fin, comme Baba ne l'a pas fait. S'il pouvait croire en ce rêve un peu fou, il serait là pour nous. Je sais que Changa est tout là-haut, mais comment le prouver? Elle est à 384 400 km de moi. Comment je pourrais faire pour... Changa, est-ce que tu veux de moi m'envoler? Si tu m'entends, regarde-moi. Peux-tu voir ce que personne ne voit? Entends-tu ma voix depuis la lune? M'envoler, avoir des ailes et pouvoir m'envoler. Tout là-bas où on peut me croire et marcher. Enfin m'éloigner de ces lieux. Que pourrais-je vraiment rêver de mieux que m'envoler tout là-haut dans les cieux? Oh oui, moi je veux m'envoler. Changa, oui j'irai jusqu'au bout, à jamais. Baba, je te prouverai tout, délivré de la gravité. Je partirai sans tristesse aucune. Pour la lune. Magnétisme, lévitation, libérer l'attraction, c'est la clé. F, c'est force, bien sûr, et G, c'est toujours gravité. Brombir les moteurs, naviguer en douceur, ça se pourrait. Les turbines tournent enfin, je vais partir bientôt. Les bougies font voler les lanternes, alors pourquoi pas moi? L'astronaute vole au-dessus des mers, pourquoi pas moi? Chaque pièce du puzzle transforme l'espoir en réalité. Regardez. Je décollerai maintenant ou jamais. Départ imminent, bientôt vous verrez. Ainsi je serai enfin libérée. Je te prouverai tout, délivré de la gravité. Et Changa, je pars sans.
sans amertume dans ma fusée pour la lune.